Bonjour à toutes, alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul Nike. Donc depuis quelques années, il nous arrivait d'aller à Troyes dans des magasins d'usine et avec ma soeur on adorait aller chez Nike, on avait acheté quelques t-shirts, tout ça, des chaussures, voilà, des Air Max, etc. Et on était super contente et il y a quelques temps, plusieurs mois déjà, j'ai dit à ma soeur, mais il y a un magasin Nike à côté de chez nous, si ça se trouve, il y a les mêmes promos. Et elle m'a dit non, puis moi aussi je me suis dit, bah ouais, pourquoi il y aurait les mêmes promos en fait. Et quand j'ai regardé sur internet, je me suis rendu compte que si en fait les magasins Nike, vraiment l'enseigne Nike, hein, pas les enseignes comme Courir, etc., qui proposent des objets Nike, ont des promos folles. Donc nous y étions allés, on n'avait pas trouvé spécialement de chaussures qui nous plaisaient, il n'y avait rien en fait quand on avait été. Et puis il y a 3 jours, on y est retourné et là on a trouvé pas mal de choses, enfin pas mal, quelques trucs. Donc on a des chaussures, on a des vêtements, accessoires, je vais vous montrer tout ça. Et puis donc hier on a voulu y repasser, voilà, je voulais prendre un legging que j'avais vu avant et puis finalement on a recraqué pour des chaussures parce que je vais vous montrer, vous allez comprendre. Donc la première fois en chaussures, ma soeur a pris celle-ci, donc elles sont violettes. C'est quoi comme chaussure? Bon, elle ne sait pas, mais elle lui plaisait et les semelles sont vraiment très molles et tout. Quand elle marche, elle s'écrase. Vous allez voir ça sur le close-up ou je vais vous mettre des petites vidéos. Et donc voilà. Elles étaient à 55 euros, ce qui les a mis à 27,50 puisqu'il y avait 50%. Elle les trouve super confortables. Moi aussi j'ai tout essayé, c'est sympa parce qu'en fait la semelle, il y a des petits... elle est pas lisse en fait à l'intérieur, il y a des petites rainures et c'est rigolo quand on les met. Donc voilà. Et donc moi comme chaussure, j'ai pris des baskets de sport pour marcher, tout ça, faire un peu de sport. Et elles sont trop belles aussi. Donc les voici. Donc en fait elles sont noires, la semelle blanche, le dessous de la semelle vert d'eau, ce qui tient les lacets c'est vert d'eau et on les voit en transparence parce que je sais pas si vous allez voir mais il y a un petit filet là et sous le petit filet c'est violet et puis c'est marqué Nike en violet, là aussi c'est violet et vert d'eau, donc voilà, là vous voyez bien. Donc moi je les trouvais super belles. Elles étaient à 49 euros et moi je les ai eues donc à 24,50. Ensuite, donc ce même jour, j'ai pris un petit haut, voilà, à 15 euros. Il est tout noir, c'est un petit haut comme ça, pas très long, avec les bretelles resserrées dans le dos et des petites Air Max blanches dessinées partout. Elles sont trop chouettes, hein. Donc voilà. Et j'ai pris un legging à 17 euros, super confortable avec les élastiques comme ça et tout. Donc il est gris chiné et le Nike sur la jambe gauche est un peu entre or rose et bronze. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur. Ah, j'étais contente aussi. Et à la caisse, on a vu à 5 euros, mais avec 50%, donc à 2,50. Des petits sacs comme ça. Donc il existait en noir, il existait aussi en rouge et c'est marqué Kiss My Air. Enfin, c'est rigolo avec le R de Nike et puis le jeu de mots. Donc c'est un qui se resserre et puis il y a aussi une petite poche avec une fermeture sur le côté, donc c'est sympa pour mettre ses clés, pas les perdre. Voilà, donc 2,50€, on en a profité, on a pris un chacune et je vous montre ce qu'il donne
une fois quelque chose dedans et puis sorti de son emballage. Donc on était hyper contente de se trouver ces petits sacs. Et donc quand nous y sommes retournées hier, il y avait des warages dans nos tailles respectives. Et elles étaient belles parce qu'elles sont grises mais elles sont presque argentées. Elles sont trop belles. Donc on n'a pas pu résister. Donc voilà. Et elles étaient à 80€, toujours avec 50%, soit à 40€ la paire. Donc voilà. Et donc ça en magasin, ça vaut hyper cher. Ça vaut facilement 120€ dans un autre magasin. Donc là, 40€. Voilà, et on est super contentes, elles sont super bien. Par contre, c'est un peu dur à enfiler. Voilà, il faut bien écarter les lacets. Parce qu'en fait, la languette et puis le tour là, c'est un seul morceau. Voilà, pour rentrer le pied dedans. Mais voilà, on est super contentes. Donc c'est tout ce que j'ai à vous présenter. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.